Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs que j'ai faites sur Facebook Live et surtout comment vous les éviter. Et franchement, restez parce que ça va être assez drôle. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont là en live. Bonjour, merci d'être là. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Catherine Dard, spécialiste en marketing et communication digitale. Et depuis un an, fan, pratiquante, on va dire, de Facebook Live. Et en gros, je teste pour vous. Et j'aime beaucoup ensuite vous enseigner et vous montrer les erreurs que j'ai faites afin de vous les éviter. Voilà, donc faites-moi un petit coucou. Bonjour Bob, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Lorraine. Bonjour Facebook user. Il y a quelqu'un qui est incognito, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, donc en fait, pour ceux qui sont nouveaux, c'est un show que j'ai lancé, une émission que j'ai lancée, je crois que c'est le numéro 7 d'ailleurs. Et l'idée, c'est de vous montrer, de vous enseigner déjà, de vous convaincre déjà que Facebook Live est vraiment un super outil marketing, surtout ces temps, depuis quelques années on va dire, où il y a tellement de bruit sur internet, il y a tellement de contenu, etc. etc. Et il y a du bruit partout. Et comment est-ce qu'on fait nous, les marketeurs, les marques, les entrepreneurs, etc. pour sortir du lot? Eh ben, bingo, Facebook Live est arrivé et c'est vraiment un outil magnifique parce qu'on est en direct, parce qu'on peut communiquer avec les gens en direct, on est proche de son public cible, parce qu'on peut les comprendre, parce que la vidéo, c'est presque intime, on va dire. Je salue au passage Thomas et Ruben de Suède. Magnifique de te voir là, Ruben. Et donc, si vous n'êtes pas encore convaincu, vraiment, Facebook Live, on peut l'utiliser pour tout. Même, je sais par exemple que Ruben est un professeur à l'école. Il pourrait utiliser Facebook Live aussi, ou bien même des médecins pourraient utiliser Facebook Live. Je sais qu'on n'a pas forcément le droit de faire de la publicité quand on est médecin, mais il y a toujours des moyens en fait de pas faire de la publicité, mais de faire en fait des questions-réponses, etc. Et c'est une manière d'établir son expertise sur le web et sur Facebook, à savoir qu'il y a quand même 2 milliards de personnes sur Facebook et que non, c'est pas des jeunes, parce que les jeunes, nos ados sont plus sur Facebook, eux, ils sont sur Snapchat. Voilà. Donc, outil incontournable. Ayant fait plus de 25 ans de communication, je peux vous dire que c'est l'outil qui, pour moi en tout cas, a marché le mieux depuis le début. Est-ce que je vous ai convaincu? Oui ou non? Dites-moi ceux qui sont là et ceux qui sont même en direct, en replay, dites-le-moi. Alors, vous êtes prêts? Parce que franchement, ça me fait marrer ces trucs-là. J'ai été trouver des vidéos que j'ai faites dans le passé et les trucs où je me suis vraiment plantée et c'est assez comique. Alors, vous êtes prêts? Voilà, donc là, en fait, c'est littéralement... Attendez, c'est celui-là. Ici, on va voir mon tout premier live, pas mon premier live sur Facebook parce qu'avant j'en faisais, mais mon tout premier live sur web marketing com. Ok, donc en gros, beaucoup de gens qui regardent, j'ai jamais fait ça avant avec autant de gens, et là voilà ce qui se passe. Vous êtes prêts? Écoutez très très bien. En live, oh non, et tu te fous de moi, pas maintenant, Goy. Voilà, je sais pas si vous avez entendu. Mais je vais vous la refaire parce que j'ai dit un truc délire. En live. Oh non, mais tu te fous de moi, pas maintenant, Goy. Voilà, donc en gros, j'ai dit en live, tu te fous de moi, pas maintenant.
C'est pas grave, c'était juste la première fois que je faisais ça et du coup, j'ai dû laisser parce que j'allais pas effacer toute ma vidéo. Donc, le premier conseil que je vous donnerais, c'est, je vous jure, et moi ça m'arrive encore tout le temps, d'ailleurs Thomas se fout des fois un peu de ma gueule quand il me voit en live et je dis, est-ce que je suis en live? Est-ce que je suis en live? Et que Thomas il me dit, mais oui, t'es en live, Thomas Gazio donc. Et donc, en gros, quand vous appuyez sur ce bouton, n'importe quel bouton, que ce soit sur votre Wirecast OBS ou directement sur votre plateforme Facebook, je peux vous garantir que vous êtes en live. Donc ça ne sert à rien de dire oh putain, merde, machin, ou est-ce que je suis en live, parce que vous êtes en live. Voilà. Donc ça, c'était l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2. Donc ça, c'est la deuxième fois, je crois, où j'ai fait un live où je donnais un cours. Où j'avais préparé un super cours avec des slides sur je sais plus quel sujet, et en fait, voyons voir ce qui se passe. Problème, ça. Ah! Est-ce que ça revient? Est-ce qu'on est de nouveau en live? Dix personnes, hop. Bon, hop. Ça a totalement coupé. Ok. Voilà. Donc en fait, j'avais préparé mes petits slides et tout a coupé. Et j'avais donc toutes mes notes, mes slides, mes machins sur l'ordinateur. Et je me retrouve à... Carole, à la guerre comme à la guerre, nous avons vraiment des problèmes techniques aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais récupérer tous les gens que j'avais de l'autre côté. J'espère que vous n'êtes pas partis. On a vraiment apparemment des problèmes techniques avec OBS. Et du coup, je dois complètement improviser ce live. Voilà, donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'utilisais apparemment EBS, que ça m'a explosé pour une raison XY, et que j'avais préparé une présentation PowerPoint, et que du coup, je ne pouvais plus utiliser mon ordinateur, j'étais là avec mon téléphone, j'avais même pas un truc pour tenir une perche, rien du tout, et j'avais surtout pas mes notes. Donc là, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais vous enseigner? Surtout, surtout, surtout. Si vous avez des notes ou une présentation, hein, surtout des notes, ne les mettez pas sur l'ordinateur parce que s'il arrive quoi que ce soit, ayez une copie autre part parce que bon, moi j'ai vraiment improvisé mon live, quoi, en gros. Ça, c'était pour l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, c'était un jour, beaucoup plus tard, où on avait un sponsor, et oui, parce que maintenant nous avons des sponsors sur Live&Com. Et on est super content d'ailleurs d'accueillir des sponsors. Et donc, méga pression parce qu'il faut faire le truc super bien et tout. Et voilà ce qui se passe en plein live. Leur communauté est riche, les aide aussi, imagine des stratégies de communication en fait qui s'appliquent pour les marques qui vont mettre en place avec ces influenceurs. Alors, bienvenue à l'émission Live and Com. On n'était pas là la semaine passée parce que Voilà, c'était les vacances. je sors du cadre. Donc, c'est toujours et encore une émission pour les marketeurs et entrepreneurs et start-upeurs faite par les marketeurs et entrepreneurs. Et Là, on comme voit toutes plus les mon visage semaines, c'est carrément. l'actualité du Et je m'en rends web, pas des médias compte. sociaux et tout ça en moins de 45 minutes. En gros, on fait la veille pour vous, on analyse et on essaie de voir comment on peut appliquer ces nouveautés. Voilà, donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout bien placé, mon background, etc., mon truc. Et je suis en train de parler et je retouche mon ordinateur, patate, évidemment, et je sors du décor et je m'en rends même pas compte, quoi. Donc je parle un moment comme ça et quand je m'en rends enfin compte, voilà, je rigole un peu parce que moi j'ai toujours un peu l'habitude de bien me marrer dans ce genre de truc. Et d'ailleurs, j'avais toujours dit que j'allais écrire un livre sur tous les trucs drôles qui étaient arrivés dans ces lives et c'est pas fini en tout cas. Salut Olivier, bienvenue. On parle des 10 erreurs que j'ai faites sur les lives et comment les éviter. Alors, donc, ça c'était l'erreur sortir du cadre. Donc, ne touchez plus à rien quand vous avez bien organisé votre truc, quoi. Ok?
Ensuite, alors ça, c'était une erreur. Donc ça, c'est le retour en fait. On voit, donc je reviens. J'ai été éjectée, donc on voit que la lumière, elle est complètement out, etc. Et en fait, ce qui s'était passé pour ce live, c'est que c'était la première fois que j'avais été... on a diffusé sur trois plateformes, Facebook, YouTube et Periscope en même temps. Et du coup, ça a aussi explosé complètement, en fait, en gros. Et la raison, c'est parce que quand vous diffusez sur trois plateformes en même temps, il vous faut quand même un minimum de bandes upload, de bandes montantes, voilà. Il faut au moins 30 de débit montant. Et en fait, donc ça, je ne le savais pas, évidemment, on apprend de ses erreurs. Donc après, on m'a fait savoir, et je vais vous montrer. Vous allez sur Speed Test. Et vous pouvez calculer ici, gratuitement, démarrer le test et vous pouvez voir en fait, ça va vous calculer le débit descendant d'abord et ensuite le débit montant. Et on va juste attendre qu'il calcule le débit qui monte et il faut au minimum 30 de débit montant. Alors là, il va calculer le débit montant, 2 secondes, voilà. Laissez calculer, il peine. Mais pour vous dire, il faut au minimum 30 de débit montant si vous voulez comment dire, diffuser sur 3 pages en même temps. Donc là, je diffuse que sur une page, hein, je suis à 19, donc ça a l'air d'aller. Mais à savoir, pour ne pas faire la même erreur que moi et vous retrouver dans le noir en fait complètement, à devoir, encore une fois, pour la énième fois, avoir votre émission en 2 parties. Bonjour Valentine, bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant. Je vous parle des 10 erreurs que j'ai faites sur Facebook Live et comment les éviter. Et allez regarder le début, ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est assez drôle. Enfin, peut-être que je rigole toute seule, mais moi, ça me fait marrer parce que ça me donne des souvenirs drôles. Ensuite, autre erreur que j'ai faite. Mais c'est récent en plus, c'est le blocage total de mon image en fait. Backstage, on ne le voit pas. Donc, je parle. Je veille pour vous, que vous puissiez faire votre boulot et que nous, chaque je parle, je parle. Vous donne uniquement ce qui est intéressant à savoir pour que vous puissiez repartir ensuite avec toutes les stratégies et les nouveautés. Franchement, c'est sympa, non? Donc, je serais ravie pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous pouvez partager ce live. Depuis bien longtemps. Et là, en fait, voilà. Et depuis un an, je m'intéresse principalement. La caméra se bloque. Les Facebook voilà. Live. Il n'y a rien à voir. La caméra se bloque complètement. Encore une fois, je ne m'en rends pas compte tout de suite, comme par hasard. En général, il y a Sylvain de l'autre côté qui essaie de m'envoyer des messages et tout. Et là, j'ai dû donc, encore une fois, j'avais un live en 2 parties, donc voilà ce qui se passe. Je reviens la deuxième fois après avoir tout coupé. Voilà, 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 je suis de nouveau là, mes amis. Est-ce que... vous m'entendez? J'espère que je vous ai pas tous perdu. Non, mais je ne peux que rigoler de ces malheurs qui m'arrivent avec la technologie. Franchement, voilà. Il y a chaque fois quelque chose d'autre, mais au moins l'avantage, faut voir le bon côté des choses, c'est que je vais écrire un livre de tous les problèmes qu'il y a avec le live streaming. Voilà. Cette voilà. fois, c'est la caméra HD Logitech, ok, qui ne marchait pas. Voilà, donc déjà là, je me suis dit, il faut que je fasse un truc, je vais écrire un livre, non, je fais une émission sur tout ce qui ne marche pas. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, du coup, j'étais sur mon Wi-Fi. Très mauvaise idée d'être sur son Wi-Fi, jamais. Je vous conseille donc, du coup, de faire comme moi, de vous mettre sur votre prise Ethernet. Parce que du coup j'avais pas assez de bande passante et ça m'a bloqué la caméra. Voilà, donc je sais plus à quel point on en est, mais j'ai encore des trucs à vous montrer.
Alors, là, c'était un problème super embêtant. Je vais vous faire écouter, vous allez tout de suite comprendre. C'est le double son, en fait, l'écho. D'un point de vue marketing, parce que on pouvait mesurer en fait le sentiment de la marque. Parce que comme il n'y a plus juste like, dislike. Bon, c'est bon, j'ai pas besoin de vous faire souffrir encore plus que ça. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai une fenêtre ouverte sur mon ordinateur qui est la fenêtre de ma page Facebook où je suis. Ça veut dire qu'on entend et mon micro et ma page Facebook en plus qui est en décalé. Donc attention, attention, attention. Donc depuis, le truc que je fais, c'est que j'ai mon écran moniteur, on va dire, avec ma page Facebook qui est à côté. Et tout de suite, évidemment, j'enlève le son. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, la suite, la suite, la suite. Alors, voyons voir. Là, j'en ai juste voir. Je ne sais pas où j'en suis. Sur Story, les Facebook Story. Voilà, je suis de retour. Quel live mouvementé, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais en fait, tout ça, c'était pour vous montrer que si il vous arrive des trucs, et il vous arrivera des trucs, quoi. C'est OK. Franchement, j'observe les gens qui font des lives. Et c'est vrai, à part Thomas Gazio, j'avoue, qui s'est jamais planté, mais j'observe, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, même des grandes chaînes, qui se plantent tout le temps. Et des fois, c'est de notre faute, des fois, c'est pas de notre faute. Mais ça va vous arriver, donc prenez-le à la cool, franchement, parce que de toute manière, c'est comme ça. Et il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je ne sais pas à quel numéro je suis, mais je vais quand même vous parler encore d'autres erreurs que j'ai faites. Sans partager mon écran, il y a le problème de, en fait, diffuser sur la fausse page. Alors, ça peut vous faire marrer, mais je vous jure que ça peut arriver. Donc, vous préparez tous vos trucs pour diffuser sur la page A. Et en fait, vous avez appuyé pour diffuser sur la page B. Donc, vous êtes là, vous parlez, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne vous voyez pas. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'en fait, vous aviez diffusé sur la fausse page. Donc, attention, attention, soyez très concentrés quand vous faites ce genre de trucs. Autre erreur, c'est le jour où vous décidez. Donc moi, j'ai plutôt commencé mes lives. Enfin, au tout début, je faisais des lives avec le téléphone. Et puis après, je suis assez vite passée sur les plateformes OBS et Wirecast, qui sont des plateformes. On en parlera une autre fois. Il y a plein de vidéos, si jamais, dans mon groupe Facebook, tout sur Facebook Live. Donc vous pouvez aller regarder des tas de vidéos qu'on a faites pour vous expliquer OBS, Wirecast, etc. Et même Be Live. Et donc, ensuite, j'ai décidé de ressortir et j'ai pris mon iPhone et je voulais en fait faire un live sur une de mes pages business. Et je me pose dans mon champ, super beau, devant chez moi. Il faisait beau, il y avait des vaches derrière, je trouvais le cadre génial. Et là, impossible sur mon téléphone de diffuser sur ma page professionnelle, quoi. Un truc de dingue, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été diffusée sur ma page perso et en fait, c'était pas du tout programmé comme ça. Donc, il y avait des gens qui m'attendaient sur la page professionnelle. Je pouvais pas leur dire, etc. Tant pis, qu'à cela ne tienne, j'ai fait mon truc sur ma page perso. D'ailleurs, je crois qu'Olivier était là ce jour-là. Et j'ai compris après des recherches, ça m'a pris pas mal de temps pour comprendre que en fait, quand vous êtes sur votre téléphone, Vous savez maintenant, il y a un truc qui s'appelle Business Manager et c'est hyper compliqué parce que vous mettez vos pages professionnelles sur ce Business Manager. Et du coup, mes pages Business Manager sur votre téléphone, elles ne sont pas sur votre application Facebook. Elles sont sur vos pages, sur votre application qui s'appelle Page Facebook. Et oui, il y a une autre application qui s'appelle Page Facebook et c'est là qu'il faut diffuser sur votre page professionnelle. Un truc de fou, c'est hyper compliqué, ça n'a aucun sens, mais c'est vrai. L'autre chose aussi qui m'est arrivée, donc le même live dehors dans le champ, c'est que j'avais pas en fait encore compris que la 4G, enfin je savais que la 4G ça prenait beaucoup, mais j'avais pas encore réalisé à quel point ça prenait beaucoup de batterie. Donc moi je fais mon live que j'avais prévu pour au moins 45 minutes et au bout de 20 minutes, hein, je vois que ma batterie, elle arrive sur le rouge. Donc, du coup, j'emballe le truc et je dois arrêter, quoi. Donc, la parade,
à ça, c'est que simplement, je me suis acheté une batterie externe tout simple. Et du coup, quand je sors, je mets une batterie en plus, comme ça, que je peux brancher. Comme ça, ça peut tenir encore plus de temps. Voilà, je crois que je suis arrivée en fait aux 10 erreurs. Et je voulais rajouter un autre truc aussi, un petit bonus. C'est pas une erreur que j'ai faite, mais oui, c'est une erreur un peu que j'ai faite. C'est-à-dire que quand vous faites des interviews d'autres personnes, ok, dans votre live, oubliez jamais de bien leur expliquer le minimum de la comment on dit ça en français, upload speed, download speed, comment ils appellent, débit montant, débit descendant. Parce que j'ai eu, moi, une invitée qui avait un très mauvais débit et en plus, on entendait super mal et c'était tout coupé, quoi. Et on donnait un workshop et c'était vraiment dommage parce que ça a quasi foutu en l'air le truc et toute cette belle information est partie plus ou moins en fumée. Donc, si vous avez des invités sur Facebook Live, essayez de bien vous renseigner et surtout de leur expliquer parce qu'en général, ils savent pas forcément comment ça marche, donc de vraiment prendre le temps de leur expliquer tout ça. Et voilà mes amis, je suis assez contente. Alors je vous ai fait les 10 erreurs parce que j'allais pas faire non plus les 50 ou les 100 que j'ai faites, mais je pense que déjà avec ça, vous évitez celle-là, vous allez déjà éviter pas mal de trucs, je vous le souhaite en tout cas. Et sincèrement, je souhaite aussi, c'est vraiment mon but dans ces émissions, que vous lanciez votre émission Facebook Live pour le business, que vous utilisiez Facebook Live pour votre marketing, et j'aimerais vraiment vous aider. Donc tous les mardis, je suis là à 17h, je vous fais des tutos, des petits cours. Il y a un groupe qui s'appelle Tout sur Facebook Live où on fait pas mal de choses sympas aussi. D'ailleurs, ce vendredi, on va commencer à analyser les Facebook Live d'autres personnes. Donc c'est pas seulement moi, il y aura des fois des invités j'espère, et aussi les gens qui sont en live où on peut un peu se donner des conseils. Et last but not least, si vous êtes intéressé à vous lancer sur Facebook Live, si vous êtes déjà sur Facebook Live, j'ai créé pour moi et j'ai décidé de la donner. J'ai fait une checklist en fait, justement pour éviter de me planter, sur tout ce que je fais avant les lives, juste pour la promo, etc. Juste avant les lives, au niveau de la technique, pendant les lives, pour pas oublier, et après les lives. Et cette checklist, vous pouvez l'avoir. Ok, je vais tout simplement mettre le lien dans les commentaires si vous voulez télécharger la checklist, elle est offerte et c'est vraiment j'ai refait, ça fait un an que je l'améliore quoi. Donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont là en live, merci. Pour ceux qui sont en live et ceux qui sont en replay, je vais vous demander une énorme faveur. Si vous aimez cette émission et si vous voulez que je puisse revenir en fait tous les mardis, de partager cette émission. Oui, partager, appuyez sur le bouton partager, share. Ou alors, vous pouvez aussi, un truc sympa, c'est vous pouvez taguer le nom de quelqu'un qui pourrait être intéressé à cette émission. Donc, vous taguez dans les commentaires et comme ça, ils se rendent compte que cette émission existe. Puisque ma mission, c'est d'aider un maximum de gens à lancer leur émission Facebook Live pour leur marketing. Allez, j'arrête de blablater. Merci à Valentine, Olivier, Ruben, Thomas, Bob, Lorraine. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, je vous attends tous les mardis ici et tous les jeudis sur le Live & Com, sur la page de Web Marketing & Com avec les news de réseaux sociaux et web marketing. Allez, j'arrête de blablater. Je vous laisse. Gros bisous à tous. Ciao, ciao.